Au sommaire de cette édition, 44e sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO à Yamoussoukro. Chacun des pays membres est représenté par son président ou chef de gouvernement. Le président ivoirien est revenu sur les grands dossiers de l'institution. Son successeur va être connu d'ici à demain, date de fin du sommet. De grandes réformes annoncées par le ministre de la Construction. Il a donné les orientations de son ministère, notamment sur les questions de l'aménagement urbain, les stratégies et perspectives des logements sociaux en Côte d'Ivoire. Et puis en sport football, deux équipes ivoiriennes au front pour la Coupe africaine. Nous y reviendrons dans quelques minutes dans la page sport de cette édition avec Anne-Marie Nguessan. Bienvenue dans le journal. Merci d'être avec nous sur RTI1. Vous avez pu le voir en direct. Le sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est ouvert ce matin à Yamoussoukro. En tout, 14 chefs d'État et de gouvernement sont présents. Les dernières arrivées ont eu lieu ce matin même. Il s'agit des présidents du Bénin, Yahi Boni, du Niger, Issoufou Mahamadou et du Sénégal, Macky Sall. Le Cap-Vert est représenté par son premier ministre qui est également arrivé ce vendredi matin. Et je vous le disais, le 44e sommet ordinaire des chefs d'État et de la CEDEAO s'est bien sûr ouvert ce matin à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. L'accord de partenariat économique avec l'Union européenne est l'un des principaux sujets abordés lors de ce 44e sommet. Et les dirigeants ouest-africains vont désigner le successeur de l'actuel président de l'organisation, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Le président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État Alassane Ouattara, s'est exprimé lors de cette cérémonie d'ouverture. Il a abordé des sujets chers à l'institution, notamment des questions sécuritaires relatives au dossier malien, au terrorisme, à la sécurité maritime et à la cybercriminalité. Bref, il a fait un mini-bilan de son parcours à la tête de l'institution. Écoutons-le. Je suis très heureux de vous retrouver. Je voudrais donc vous renouveler ma profonde gratitude pour l'honneur que vous nous faites à nouveau en prenant part si nombreux à cette importante session. Le 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO revêt un caractère spécial. Il marque en effet la fin du mandat que vous avez bien voulu me confier et nous offre par la même occasion l'opportunité de dresser le bilan de nos actions et d'envisager en toute sérénité la poursuite de la mise en œuvre de notre agenda communautaire. À l'heure du bilan, nous pouvons nous réjouir des avancées notables réalisées dans bien des domaines de la vie de notre organisation commune et de la défense des intérêts de nos peuples. Les efforts communs consentis par nos États lui ont permis de gagner le respect de la communauté internationale dans la défense de nos intérêts communs. Au plan politique, notre région a su, tout au long de ces deux dernières années, renforcer la démocratie, l'état de droit et faire face aux menaces contre la paix et la sécurité. C'est dans ce contexte que nous avons pu circonscrire avec succès les crises au Mali et en Guinée-Bissau. Une nouvelle ère s'ouvre donc pour notre organisation, porteuse de plus de démocratie, de croissance et de progrès. Elle sera marquée par l'accélération de la libre circulation des personnes et des biens et la marche irréversible vers la monnaie unique. Ensemble, nous avons décidé de bâtir un espace économique de référence doté d'infrastructures modernes. Je déclare ouvert les travaux de la 44e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Vive la CEDEAO, je vous remercie. Et ils sont présents à Yamoussoukro pour ce 44e sommet de la CEDEAO. Les présidents ghanéens Goodluck Jonathan et burkinabé Blaise Compaoré ont eu une rencontre avec le président Alassane Ouattara. Les trois chefs d'État ont bien sûr discuté de questions relatives à leur institution commune, la CEDEAO, mais aussi de coopération et de développement dans leurs pays respectifs. Après 2 ans donc à la tête de l'institution, l'heure est au bilan. Quelles sont les réussites? Quelles insuffisances dans les activités de la CEDEAO? Quelles conclusions tirer des décisions prises et des actions menées, notamment au plan sécuritaire avec la paix au Mali et en Guinée-Bissau? Les réponses dans ce reportage de Laetitia Manglet.
L'un des grands défis qui attendait le président Alassane Ouattara en 2012, dès sa prise de fonction en tant que président en exercice de la CEDEAO, était d'assainir le climat sécuritaire au sein de l'espace. La résolution des crises militaro-politiques au Mali et en Guinée-Bissau a été la première épreuve réussie avec brio. Au Mali, le deuxième tour des présidentielles porte en mi-2013 Ibrahim Boubacar Keïta à la tête du Mali. L'on note une avancée dans la lutte contre le terrorisme, le banditisme et la prolifération des armes qui menaçaient également la sécurité au sein de la CEDEAO. Nous avons pu maîtriser les situations de crise au Mali et nous sommes en voie d'achever la transition en Guinée-Bissau. En plus de cela, nous avons pu contenir les risques de crise électorale latente dans plusieurs pays membres. Et le président Ouattara s'est impliqué personnellement pour que la situation s'apaise dans plusieurs situations électorales, ce qui nous permet d'avoir une raison apaisée actuellement. Des exploits sécuritaires qui ont pu être réalisés selon des proches collaborateurs grâce au leadership et à la débauche d'énergie d'Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. Le président Alassane Ouattara, grâce à son leadership, il a réussi donc à mobiliser la communauté africaine, mais aussi la communauté internationale et nos partenaires français. Et aussi pour juguler la crise au Mali. Vous savez que dès le début, il a fallu qu'il utilise donc son réseau pour amener les pays internationaux au sein de la communauté de la CEDEAO et ensuite de l'Union africaine et plus tard des Nations unies pour amener tout le monde à s'intéresser à cette crise qui était arrivée pratiquement à nos portes. L'autre grand défi à présent est de préserver ce nouveau climat de paix et de sécurité au sein de la CEDEAO. Le sommet ouvert ce matin se poursuit jusqu'à demain samedi et là nous aurons le nom du successeur du président Alassane Ouattara à la tête de l'institution. Le programme économique et financier de la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie et le climat des affaires s'est nettement amélioré. C'est le verdict du FMI, le Fonds monétaire international, après la 5e évaluation du programme de la facilité élargie du crédit. La mission présente en Côte d'Ivoire a été reçue par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Vijay Naïma. À Abidjan, dans le cadre de la 5e revue pour la facilité au programme élargi du crédit, la mission d'experts du Fonds monétaire international a présenté ce jeudi au président de la République, Alassane Ouattara, le bilan de son évaluation de l'économie ivoirienne sur l'année 2013. Les experts du FMI ont délivré un bon point à la Côte d'Ivoire. Nous constatons qu'entre 2012, 2013 et 2014, la croissance de l'économie cumulée aura été de plus de 25%. Donc la taille de l'économie ivoirienne sur 3 ans a augmenté de plus d'un quart, ce qui est une performance tout à fait remarquable et dont nous félicitons les autorités. Le président de la République s'est réjoui des conclusions de la mission d'experts du FMI qui illustre bien que la Côte d'Ivoire est en train de retrouver toute sa crédibilité auprès des institutions internationales de financement du développement. Tout juste après cette audience qu'il a accordée à la mission du FMI, le président de la République a quitté sa résidence aux environs de 11h pour Yamoussoukro, où il va prendre part ce vendredi au 44e sommet des chefs d'État de la CEDEAO. L'aménagement urbain, les stratégies et perspectives à des logements sociaux, ce sont des sujets développés par le ministre de la Construction. Il était face à la presse. Il a également fait cas des grandes réformes en vue pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Gabriel Zani. Il est le 4e ministre à passer devant les journalistes dans la tribune Les Rendez-vous du gouvernement organisé par le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG. Mamadou Sanogo, ministre de la Construction, a exposé sur les actions de son département dont il a la charge depuis plus de 2 ans. Parmi ces actions, la révision des plans d'urbanisme des villes et communes du pays. Il s'agit d'identifier un peu tous les sites où nous allons réaliser les grands projets, les gares routières, les voies de contournement, l'emprise de toutes les voies de circulation, les centres commerciaux, etc.
À côté des réformes relatives à l'accélération des procédures de délivrance des actes de construction, la réforme de la copropriété sera bientôt mise en vigueur. La mesure pourra résoudre durablement les cas d'insalubrité constatés dans les habitats collectifs tels que les 220 logements Sikoji dans la plupart des communes d'Abidjan. Lors des échanges, la question du carrefour de l'Indénier a été une fois de plus remise sur la table et voilà ce qui est prévu. Du côté de la casse, nous sommes en train de bétonner des canaux qui vont amener l'eau au bassin. C'est pour éviter que l'eau ne puisse charrier la boue, les vases et les déchets solides. Ces travaux se font dans le silence et les Ivoiriens ne le savent pas malheureusement. À l'heure où je vous parle, en contrebas de la gendarmerie à Agban, il y a un grand bassin d'orage là-bas et un barrage écréteur financé par la BAD qui est en train d'être réalisé. Enfin, c'est sur une note de satisfaction que Mamadou Sanogo a abordé le sujet des logements sociaux. Le fonds séquestre du projet se lève actuellement à un peu plus de 13 milliards de francs CFA, gage que les Ivoiriens sont confiants et que le projet se porte bien. Une importante quantité de marchandises frauduleuses saisies par la douane à Ferkessédougou. Ces marchandises représentent un manque à gagner de 100 millions de francs CFA pour l'économie ivoirienne. Kader Sogodogo. En l'espace d'une semaine, trois saisies de marchandises frauduleuses opérées par la brigade mobile des douanes de Ferkessédougou. Les colis contenaient des pagnes, des pneus, des herbicides, des médicaments et diverses autres marchandises en provenance de pays voisins. Des saisies dont la valeur douanière s'élève à plus de 100 millions de francs CFA. Une pratique qui tue visiblement l'économie ivoirienne. Si nous avons des écoles à construire, de la lumière, des villages à électrifier, de l'eau potable, l'addition d'eau, le salaire aussi augmenté bien sûr. Donc il faut dire que nous devons nous mettre ensemble et ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui jouent à ce jeu, qui ne favorise pas l'émergence de la Côte d'Ivoire, qui sachent que désormais ils auront des douaniers derrière eux pour les traquer. La lutte contre la fraude douanière est donc lancée. Il appartient à chaque habitant de ce pays de jouer sa partition en collaborant avec les services douaniers. Un comportement civique qui contribuera à garantir la bonne santé de l'économie ivoirienne. Un autre coup de filet, mais de la gendarmerie de Boaké cette fois. Un gang de coupeurs de route a été pris la main dans le sac. Ils opéraient sur les grands axes menant à la ville de Boaké. Ils ont aussitôt été mis aux arrêts. Kader Sogodogo. Dans la région de Boaké, la bataille pour amener la sécurité et la sérénité au sein des populations est engagée. Les braqueurs et autres coupeurs de route sont poursuivis jusque dans leur dernier retranchement par les forces de l'ordre. L'axe Boaké-Yamoussoukro, la nationale A3, voie de prédilection des coupeurs de route qui volent, violent et tuent très souvent les voyageurs. Cette situation amène la gendarmerie nationale à être en alerte permanente. Ainsi, au cours d'une patrouille habituelle, nos gendarmes, le flair aidant, vont interpeller deux individus. La fouille permet de découvrir des armes de guerre. Conduits à la gendarmerie de Boaké, ces individus se mettent à table. Après les aveux, comme dans une scène de théâtre, ils espèrent la clémence des populations victimes de leur terreur. Mon frère Soulé m'a dit qu'il y a un petit qui a eu Bonoa qui est venu dire qu'il y a son vieux qui vient l'argent, 8 millions. Donc on n'a qu'à partir voler. C'est de là qu'on a eu le problème. On a dit à les messieurs de nous aller nous déposer. Donc en partant, bon, c'est là où nous a pris au corridor, avec les armes là. Je vais demander pardon à tous mes frères qui restent, qui n'ont jamais fait ça, ou bien ils font ça, ou n'ont qu'à voir ça louper. Parce que c'est un truc qui avait, où ta vie allait arriver là. Ça peut couper, tu peux laisser ta famille, tu es dans le problème. C'est la période de la Pâque. Un moment qui correspond à de nombreux déplacements dans le Vébaouli. L'accent doit être mis sur la sécurisation des populations pour permettre à celles-ci de passer des moments agréables. Ces actes de grand banditisme sont favorisés par la circulation des armes légères et de petits calibres. Les pays limitrophes du fleuve Mano se sont donc engagés dans la lutte contre la prolifération de ces armes. Ils projettent désormais intégrer des stratégies nationales et régionales afin de renforcer les mécanismes de coordination et de liaison. Sidonie Davila. L'accumulation excessive et la dissémination incontrôlée des armes légères et de petits calibres constitue une menace importante pour la paix et la sécurité internationale, pour les droits de l'homme et le développement social de nombreux pays.
Ce problème réel incite de plus en plus les chefs d'État des pays limitrophes du fleuve Mano à penser à une réponse globale à ce phénomène. On remarque qu'il y a les armes qui passent à travers les frontières. Et si on ne parvient pas à avoir des mesures, les ennemis qui continuent à tuer nos gens ne vont pas se stopper. Cet atelier est une initiative conjointe du Centre régional de lutte contre les armes légères dans la région des Grands Lacs et de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, comme NAT ALPC. Il faudra faire ces rencontres-là pour pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, les difficultés, les réorienter, les corriger et puis initier des actions en vue de lutter efficacement contre la circulation des armes au niveau de nos frontières. À l'ouverture de cet atelier, Bamba Cheikh Daniel, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, salue et apprécie à sa juste valeur la synergie d'action entre les communautés et les agents intervenant aux frontières. Le gouvernement ivoirien veut espérer que les réflexions aboutiront à des recommandations pertinentes, réalistes et réalisables afin de parvenir au contrôle des armes légères de petit calibre. Le reportage de Sidonie Davila, commenté par Sylvie Touré. Un plan stratégique de développement adopté pour donner un visage plus reluisant au CHU de Boaké. Il est question d'améliorer les prestations et les soins au profit des usagers. Soro Corona, Kwadio Kwame. Le centre hospitalier universitaire de Boaké est confronté à d'énormes difficultés dans son fonctionnement. Difficultés qui ont pour nom le sous-équipement, l'inadaptation des installations et la lourdeur des procédures de gestion administrative et financière. Ces dysfonctionnements réduisent le taux d'une meilleure accessibilité des populations à des soins de qualité. Face à ces difficultés, la direction du CHU de Boaké a donc décidé de créer un cadre de réflexion. Les présents travaux permettront de faire l'état des lieux, proposer des solutions et mettre en place des outils managériaux de planification, de réglementation et des gestions afin d'améliorer le fonctionnement du CHU. Le CHU a du mal à décoller. Et maintenant que l'État a décidé de réhabiliter et de rééquiper le CHU, il est temps que les ressources humaines soient motivées. Et c'est dans ce sens-là que nous espérons faire une sensibilisation, mettre en place des textes réglementaires sur lesquels nous allons nous baser et définir la politique générale du CHU. Et durant 3 jours, ce séminaire scientifique permettra à la centaine de praticiens et aux personnes extérieures participant à ce séminaire de renforcer le cadre institutionnel du CHU de Boaké. Il a également été question de renforcer la capacité d'accueil et le plateau technique, d'augmenter les recettes propres à l'établissement à hauteur de 50% annuellement et d'accroître la motivation du personnel en instaurant la culture d'entreprise. Les autorités préfectorales ont encouragé cette initiative qui va redorer le blason du CHU terni auprès des populations. Par la tenue de ce séminaire, le CHU de Boaké répond au souci du président de la République de rapprocher les hôpitaux des populations en leur proposant des soins de qualité. La nouvelle sous-préfecture de Gouiné, c'est dans le département de Biankouma, va bientôt sortir du désenclavement. De grands travaux viennent d'être engagés par le conseil régional du Tankpi. Il s'agit de rendre accessible la voie reliant Gouiné à Biankouma. Jérôme Kouakou, RTI Mans et Thérèse Tapé-Yoboué. Les populations de Gouiné, dans le département de Biankouma, attendaient ce moment depuis longtemps. Sortir leur localité du sous-développement et profiter des nouvelles infrastructures économiques. Grâce au conseil régional du Tankpi, le rêve des populations de Gouiné devient une réalité. De grands travaux viennent d'être lancés. Ils vont permettre de dégager les rochers qui obstruent le passage et recharger les voies dégradées. Nous sommes très émus parce que il y a très longtemps que nous avons souhaité le désenclavement de notre village, Gouiné. Nous remercions sincèrement le président de la République. Avec le désenclavement de notre zone, nous pensons que Guinée ne sera plus comme par le passé. Le reprofilage de la route, l'adduction en eau potable
et l'électrification de ce gros village sont autant de promesses que s'attelle à réaliser le conseil régional du Tonkpi. Il y a plus de 12 ans, cette population n'a pas vu une machine passer par ici. Il y a cela 53 ans qu'on leur a promis un sous-préfet. Mais c'est sous le président Alassane Ouattara qu'ils viennent d'avoir leur sous-préfet. Donc il y a véritablement une rupture avec le passé. L'arrivée du premier sous-préfet de ce village, installé il y a un mois, vient accélérer le développement des Guinées et le meilleur reste à venir. Au Mali, la Haute Cour de justice a été mise en place hier jeudi. Cette institution sera la seule habilitée à juger les anciens présidents et ministres pour des crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Elle va notamment juger l'ancien président Amadou Toumani Touré. Il a été renversé lors d'un coup d'État en 2012. Maintenant, la page sport de ce journal avec Anne-Marie Nguessan. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Fatou. Nous allons tout de suite commencer en parlant des huitièmes de finale des Coupes africaines. Tout à fait. Les clubs ivoiriens sont sur deux fronts ce week-end en huitième de finale retour des Coupes africaines. En Ligue des champions, le Siwi Sport de San Pedro, après sa victoire 2-1 à Abidjan, tentera de résister au tout-puissant Mazembe samedi à Lumumbashi. La SEC Mimosa, pour sa part, battue 0-1 en Algérie, essaiera de renverser la vapeur ici même au stade Robert Champeau. Pas plutôt au stade Oufouette Boigny, au plateau face au club sportif constantinois en coupe, bien sûr, des confédérations. Le Siwi Sport est à Lubumbashi avec l'ambition d'arracher la qualification en phase du poule de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive. Les Siweke se sont ouverts une partie de la voie lors de la manche aller par une victoire 2-1 au stade Champrou. Il ne reste au coach Gervais Rigaud et ses joueurs qu'à parachever le travail. Ils vont ouvrir un peu le jeu, ils ont joué regroupé compact derrière. Bon, c'est un peu plus facile, mais là-bas, il va falloir qu'ils attaquent. Donc nous ne désespérons pas du tout, nous allons nous battre sur le terrain là-bas et pour eux, ce n'est pas gagné. Ils verront bien que ce n'est pas donné. Nous allons là-bas chercher la qualification. Toutefois, un obstacle majeur se dresse devant le club champion de Côte d'Ivoire. L'environnement hostile du stade du tout-puissant Mazembe. À Lubumbashi, l'espoir est entretenu par le but inscrit à la dernière minute à Abidjan par Mbwana Samata. Le président Moïse Katumbi, l'entraîneur Patrice Carteron, le capitaine Joël Kimwaki et tous les corbeaux croient à la qualification en phase de poule et y ont travaillé depuis leur retour d'Abidjan. Ils ont l'ambition de transformer le stade de Lubumbashi en un enfer sportif pour les Ivoiriens. En Coupe de la Confédération, la qualification de la SEC Mimosa pour la deuxième phase des huitièmes de finale passe par une victoire contre le club sportif constantinois par au moins 2 buts d'écart. Les Mimos sont conscients de la tâche difficile qui les attend. C'est pourquoi le coach Siaka Traoré et son équipe sont retranchés depuis leur arrivée d'Algérie dans leur laboratoire à Solbeni où ils préparent la stratégie idoine pour réussir le coup parfait. L'équipe pourra compter sur ses actionnaires sollicités pour aider les joueurs à passer le cap constantinois. C'est pas le moment pratiquement de dire ils jouent mal, ils font ci, ils font ça. Ils doivent venir au stade, soutenir massivement leur équipe pour que nous puissions aller de l'avant. Et je compte vraiment sur les actionnaires pratiquement pour ce déplacement. Le club sportif constantinois n'est pas un foudre de guerre. Cependant, la Coupe d'Afrique réserve parfois des surprises désagréables. Alors, attention. Voilà, vous l'aurez compris, ASEC Mimosa Club Sportif Constantinois pour le huitième de finale retour de la Coupe de la Confédération ce dimanche au stade Félix Oufouette Boigny. En ce qui concerne la Ligue des Champions, notons que Rigaud Gervais et ses poulains sont à Lubumbashi depuis mardi soir pour ce match retour des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions dont nous avons quelques affiches d'ailleurs. Il s'agit de Al Ahly d'Égypte, Al Ahly Benghazi de Libye, Coton Sport de Garoua Entente Sétif d'Algérie et Zamalek d'Égypte, Nkana de Zambie.
Et on va rester en football, Anne-Marie. Le mondial 2014 se prépare activement au Brésil. Mais on voit que de plus en plus des voix s'élèvent pour contester contre les coûts, les sommes englouties dans cette préparation. Tout à fait. Et hier encore, les populations de São Paulo ont défilé dans les rues de la ville pour décrier le budget de 16 milliards d'euros dévolu à cette compétition. Ils estiment que cet argent serait plus utile dans les transports, dans l'éducation ou à la santé. Témoin de cette énième manifestation, Alain Doumia. C'est à partir de 19h que petit à petit, la foule de manifestants anti-mondial s'est agrandie sur la principale avenue de São Paulo, la capitale économique du Brésil, pour dénoncer la vie chère et dire aussi non à la Coupe du Monde FIFA 2014 qui doit se dérouler du 12 juin au 13 juillet prochain. Ce mouvement de contestation, lancé à partir des réseaux sociaux, reproche au gouvernement brésilien le manque d'investissement dans la santé, l'éducation, les transports et la facture du mondial 2014 qui s'élève à des milliards dépensés pour la construction des stades. Contrairement aux précédentes manifestations qui avaient dégénéré, celle-ci a été bien encadrée par la police anti-émeute. Aucun incident n'est à déplorer. Pour une fois, la police et les organisateurs se sont dit satisfaits de ce rassemblement d'un millier de participants à São Paulo, la mégapole de 20 millions d'habitants. C'est l'exemple à suivre pour les autres villes brésiliennes et cela va dans le sens de l'apaisement prôné par la présidente Dilma Rousseff qui avait affirmé que les manifestations pacifiques sont légitimes et propres à la démocratie. Alors Anne-Marie, on va revenir sur les huitièmes de finale des Coupes africaines. Il s'agit des 18e journée, c'est ça? Il s'agit plutôt de la Ligue 1, le championnat national qui en est à sa 18e journée. Et les oppositions de cette 18e journée qui se disputent ce week-end même, et le point de la 17e journée nous est proposé par Auréga Albéric et Aude Alébé. Tournant décisif du championnat national, la 18e journée de la Ligue 1 prédit un règlement de compte à SEC Mimosa, CEO Sport de San Pedro. Lors de la 5e journée, les pensionnaires de San Pedro se sont imposés face à la SEC Mimosa 1-0 au stade Auguste Denise de San Pedro. Premier au classement avec 37 points, le CEO Espoir de San Pedro compte creuser l'écart face à la SEC ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny. L'insaisissable David Boakofi, meilleur buteur du championnat avec 11 buts, devra avec ses coéquipiers donner du fil à retordre à la défense des Verts et Bleus. La 18e journée de la Ligue 1 consacre le défi de sortie de la zone rouge. Bien parti pour se maintenir en Ligue 1, l'USC Bassam en zone rouge, suivi de l'AZ d'Abengourou, compte bien se rapprocher de ses objectifs face au club Omnisport de Korogo. Tous les matchs se joueront ce week-end. Au stade de Gagnoa, avec la confrontation Sporting Club de Gagnoa AZ d'Abengourou, au stade d'Abengourou, les Standards rencontrent le Stella Club d'Adjamé, pendant que le CO Boiflé croise le fer avec l'Africa Sport. À Yakro, deux autres confrontations meubleront la 18e journée. Il s'agit de l'opposition SOA Afad au stade de Yamsokro et l'Est Dengele face à la JCAT au stade de Boiflé. Le programme de cette 18e journée de la Ligue 1, ASEC CEO Espoir 2 et San Pedro, le duel au sommet qui sera programmé ultérieurement, bien sûr, pour cause de coupes africaines. Demain samedi 29 mars à Sporting Club de Gagnoa, AZ d'Abengourou à Gagnoa. USC Bassam CEO Korogo au stade Robert Champoux de Marcory. Une très belle affiche qui vous sera proposée bien sûr sur RTI1 à partir de 15h30. Et puis AS Tanda Stella Club d'Adjamé à Abengourou, Dengele JCA Trècheville à Boaké, SOA Afad à Yamsokro. Et puis le dimanche 30 mars, le CO Boiflé, la lanterne rouge, en découtrera avec l'Africa Sport d'Abidjan à Yamsokro. Rappelons que tous ces matchs débutent à 16h.
Et nous allons quitter les stades de football pour le ring de boxe et ça se passe à Diaké, c'est bien cela? Tout à fait, et la Fédération ivoirienne de boxe organise à Diaké du 1er au 5 avril 2014 le championnat national des novices à Diaké. Et Salif Ouattara nous propose un élément qui nous montre ce que les boxeurs font avant cette compétition nationale. Du 1er au 5 avril, la boxe se déplace à Diaké. La fédération exauce ainsi un vœu, rapprocher la boxe des populations ivoiriennes. Au menu de cette semaine pugilistique, deux championnats. Le challenge national des novices et la quatrième journée du championnat national Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Pour une semaine, chaque soir, nous allons apporter la boxe vers la population de Diaké. Ça sera un mariage, une fusion. Fédération de boxe, peuple d'Adiaké. Et donc, ça sera un grand temps d'échange pugilistique. 6 combats, 3 néo-pro et 3 professionnels figurent au calendrier de la 4e journée du challenge national Félix Houphouët-Boigny. La Commission nationale des arbitres peaufine l'escapade d'Adjaké au cours de nombreuses réunions. Objectif pour le corps arbitral, respecter les règles internationales en vigueur. Nous répétons, nous renforçons nos capacités, nos connaissances, nous réactualisons nos connaissances en la matière d'arbitrage de boxe. Et surtout les décisions prises par les arbitres ne doivent pas être contestées. Et c'est ce que nous travaillons. Prévu du 1er au 5 avril 2014, les combats du championnat national des novices et ceux du championnat national Félix Houphouët-Boigny auront lieu à la place de l'indépendance d'Adjaké. Voilà une information de Maracana pour terminer dans le cadre de l'exécution de son programme d'activité de la saison 2014. La FIMADA, la Fédération ivoirienne de Maracana, organise les samedis 29 mars et dimanche 30 mars au complexe Jesse Jackson de Yopougon la 10e et 11e journée du championnat national à partir de 8 heures. Merci Anne-Marie Guessant pour ce point de l'actualité sportive. Et rappelons pour terminer que le 44e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est ouvert ce matin à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. 14 chefs d'État et de gouvernement sont présents. L'accord de partenariat économique avec l'Union européenne est l'un des points principaux abordés. Et les dirigeants ouest-africains vont désigner le successeur de l'actuel président de l'organisation, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Le sommet va donc prendre fin demain samedi. Et voilà, c'est la fin de ce 13h. Merci d'être resté avec nous. D'autres informations sur les www.rti.ci. Je vous dis à demain.